Bonjour. La nouvelle VOD. C'est toujours Judas, on a fait méga Satan. C'est dommage, on a loupé... c'est The Lamb, hein, c'est ça. Donc, ma foi. Sinon, les gens qui arrivent avec le raid, bienvenue. Nous streamons d'habitude plutôt le week-end. Alors, pas ce week-end, par contre. Ce week-end, c'est repos, c'est vacances. Je prends un cours de couture, figurez-vous. Et normalement, dimanche... Ah, araignée. Ah ouais, mais du coup, ça remplace mon Book of Belial, donc... Ah oui, ça, c'est les Pokéballs, je crois. Ouais. Ouais, donc non. Sinon, voilà. On stream plutôt le week-end à partir de 14h. On fait des découvertes et des chasses au succès. En ce moment, la découverte, c'est Chants of Senar. Et la chasse au succès, c'est Tales of Symphonia. Et on devrait pouvoir bientôt, je l'espère, retrouver nos amis pour finir la chasse au succès de Resident Evil 5 aussi. 20 sur 20, tir double. Oh le... Je vais m'endormir dès 22h30 et passer. Non mais y a pas de problème, t'inquiète pas. Je ne t'en veux pas, déjà t'as streamé jusqu'à maintenant. Repose-toi. Oh. Ouais. Je vais garder ça juste pour bomber la salle. Ah purée, Curse of the Maze. Arrête! Arrête! Piquez-vous! La bonne nuit. Itchy testy. Ça, j'ai toujours pas compris. Il y a des trucs que je veux bien et des trucs que je comprends pas. Ouais, alors 20 sur 20 des deux yeux, c'est super. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Bon, en même temps, on est habitué aux dégâts qu'on faisait tout à l'heure. Peut-être ça joue. Quand on était un petit chat. Qu'est-ce que je fais? Merci pour les dommages. Itchy testy. Non, je sais pas. Alors, oui, je le répète. Quand je pose des questions comme ça, ne répondez pas. C'est... pour que vous ayez vite fait une idée de ce à quoi je pense, quel est mon raisonnement. Mais dites pas les réponses. Itchy testy fait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Et hélas, c'est un trinket. Je réponds pas, c'est juste pour être sûr d'avoir compris. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Enfin, il s'appelle Lose Itchy Testy. C'est ce que ça veut dire en anglais. Ça veut dire je suis une quiche. D'accord. Pépouse. Pépouse. Itchy testy, je suis une quiche. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Demi-magnette, des fois ça marche et puis des fois pas. Ça veut pas dire ça, c'est moi qui suis une quiche en anglais. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah ! Ok. J'ai cru que ça voulait dire ça en anglais. Oh. Oh. Je déteste ces boss, mais souvent, je les déteste parce que c'est les boss du début. J'ai l'impression qu'ils sont trop galères, mais parce que souvent, t'arrives et t'es pas du tout stuffé. Oh là, ça va, Book of Belial plus... c'est quoi ça, déjà? Speed up, size down. Ok. Et ça, c'est quoi? Bombes Arki. Bah, j'ai plus de clé. Merci. C'est gentil, mais bon... C'est pas si une ref, mais Itchy, ça veut dire qui démange et gratte et testy, c'est qu'il y a du goût. Un truc bon, qui démange, des aisselles au miel. Ouais. C'est une ref à Resident Evil, d'accord? C'est quoi la ref à Resident Evil du coup? On veut les refs! Expliquez-nous les refs! Mais! Arrête! Vingt sur vingt, c'est dégâts x2 si tu vises mieux. Ouais.
C'est la... une partie de la réponse est dans la phrase. Si tu vises mieux. Ça fait un gros si. Are you a wizard? Oh merde. Ah non mais c'est temporaire. Mais pourquoi je rentre dans une salle alors que j'ai ça? J'ai une pilule de mort. Oui, il faut pas piffer les pilules, je sais. Bonjour? Est-ce que je veux te donner une clé? Bah j'en ai pas, c'est-à-dire Bébou. Ah, Flat Penny. Ça, j'aime bien ça. Du coup, j'ai des clés. C'est con, hein, j'aurais pu les lui donner. Maintenant que je vais en avoir plein. Du coup... Ah, Vous savez quoi? La Blue Candle. Oh oui, la Blue Candle, je m'en rappelle, c'était trop bien. Ah, c'était bien. Ah merde ça. Utilise ceci, c'est une phrase mémorable du jeu Resident Evil dans lequel un gardien d'animaux perd lentement la tête à cause d'une infection par le virus T. Le texte dans cette phrase a été intentionnellement corrompu ainsi que d'autres parties du fichier pour illustrer la progression de la maladie. La formulation de cette phrase a été intentionnellement corrompue ainsi que d'autres parties du fichier pour illustrer la progression de la maladie. Ah oui, non, c'est juste que t'as retenu comme ça. Un type infecté écrit dans son journal et on voit son délabrement au fur et à mesure de la progression. Ah d'accord, c'est ça. D'accord. Je pense qu'effectivement j'ai dû lire ce texte, mais en français, donc effectivement... Non, non, mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de nous instruire. Je sais que certaines personnes, dont Néo, sont extrêmement tristes qu'il n'y ait plus, et on se couchera moins con sur cette chaîne. Les gens qui arrivent, à l'époque, on pouvait utiliser les points de chaîne pour apprendre des choses. Sauf que j'ai pas le temps de les préparer. Du coup, il n'y en a plus, mais comme ça, grâce à vous, bah, il y en a quand même. Non, le seul truc que j'ai retenu des mèmes de Resident Evil, c'est le Jill Sandwich. J'ai expliqué pour rien. Ah oui. Non mais pardon, je suis pas rêvé. En fait, mon œil a été attiré par le pavé. Après ça, je me dis, tu combines ça avec le 20 sur 20. Ça va, hein. Bon. Pas mal, non? Les deux ensemble, pour les endroits où il y a beaucoup d'ennemis, ça peut être pas mal, je pense. Ok, Dédé. Dédé. Ah. Non. Non, hein. Bof, hein. Ok, est-ce que j'arrive à trouver un petit cœur bleu? Est-ce qu'il y a un rocher vu? Un ferreur au rocher vu. Hmm. Ah, puis j'allais dire, il y a la salle de jeu, mais non. Parce qu'au final, c'est une salle de pionçage. Arrête! Hop. Donc, tout est réparé. Tout va bien. J'ai tout fixé. Blue Candle. De quoi Blue Candle, lol? Pourquoi Blue Candle, lol? Qu'est-ce que ça veut dire? Salle secrète. Ben... Salle secrète, en vrai, là, non? Merde. Alors en bas? Non, pas en bas. En bas, c'est pas possible. Mais c'est pas censé être lié à trois... Ah, mais en... Pff, oui, en bas, oui. Ici. Ça. Ouais, elle est là. Pardon. Ah. Des sous, des clés. Eh bien, merci bien. Est-ce que je voulais... Attendez, est-ce qu'il y en avait un, peut-être éventuellement, de cœur bleu au magasin? Je me souviens plus. J'ai un doute. J'ai un doute.
Non! Alors, à faire. Ah merde! Idiote! Ah, en plus, c'est un Lil Bum. Alors là, vraiment, j'ai tout perdu. Oh, la bécasse! J'avais oublié. J'avais oublié le fait que j'avais utilisé toutes mes bombes déjà. Ça, c'est le problème quand tu viens de boucler une run où t'étais trop fort. Parce que du coup, j'avais tout. J'avais 1 milliard de bombes, j'avais 1 milliard de clés. Le lit, ça aille. Alors, bonjour Iron, je ne veux pas d'indication sur le jeu. Ceci étant, tu as raison, le lit, ça aille. Mais j'avais oublié que j'avais plus de vie. Voilà. J'ai pas tilté. Mais du coup, comme... ainsi que c'est noté au-dessus de ma tête, je ne veux pas d'infos sur le jeu, c'est gentil! Mais je sais que tu pensais pas mal, donc pas de soucis. Et je le redis pour les autres. Dithrine! J'aime bien apprendre le jeu dans la souffrance. Je suis probablement la seule personne au monde à faire ça. Là, ça va être loose d'ici pas trop très longtemps. Ça va peut-être mettre le message en plus gros. Ouais, si vous voulez. On va faire ça. Bien, hop. Voilà. Là, comme ça, ça cache pas d'informations importantes. On va le grossir pour Isaac. Non, mais après, je sais que Isaac, c'est le jeu du backseat. Enfin, le jeu du backseat. Le jeu du wiki, plutôt. Pas dans le sens, la communauté, ils sont méchants, ils aiment bien backseat pour faire chier le monde. Mais dans le sens, c'est le jeu où, de toute façon, sans le wiki, tu vas jamais tout comprendre. Glass Cannon, non. Hein. C'est gentil, mais non. Oui, effectivement, j'ai le Flat Penny, qui existait déjà dans le premier Isaac. Ça fait partie de ces objets qui sont du premier, donc évidemment, je le connais. Ouais, bon, bah voilà, avec mon demi-cœur. Ouais, ouais, le Flat Penny, le Burn Penny, ils existaient déjà avant. Splash Damage, Tears Up. Oula. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais... Enfin, je pense que sur le principe, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal, mais en même temps... Arg. Ouais, non, mais c'est moi, J'ai filé ma vie à l'autre, là. Idiote bête. Mais la run partait pas si bien que ça. Oh, pff. Oh, pff, non. Oh, non. Oh, non. Non. J'étais déjà moyen convaincu. Non, mais pitié. Ah, j'aurais dû le réessayer, ce truc-là. Pour être sûr de confirmer ce que je pense que c'est que ça fait. Que c'est pas français que quand qu'est-ce que je parle. D'abord. Il y a un mode que je voudrais bien mettre dans ce Isaac, c'est avoir les musiques du 1. Oh, ça commence. Book of Spiders. Ah, une box of spiders. Ouais. C'est-à-dire que sur le principe, oui, mais pas quand t'as un Book of Belial, quoi. Donnez-moi un truc bien pour démarrer, pitié, pitié, pitié. Et là, ils vont me donner un couteau et on va encore s'engueuler avec les gens du chat. Non, mais ça, c'est pareil, toi, je veux bien, mais pas au début. Pas assez percutant. Petit coutal, non, mais je sais que vous aimez bien les coutals. Ah, PhD, ça c'est pour moi, ça. Pour le rappel à Alice. C'est bon, j'ai ce qu'il faut, merci. Je suis équipé. Je vais pas faire collection. Comment ça, Vous essayez de voir Ball Blade. C'est à moi. J'ai tué un Jabberwocky pour l'avoir. Enfin, en plus, même pas. Je l'ai eu pour tuer un Jabberwocky, plutôt.
J'ai fait combien de runs, vous pensez, d'Alice Madness Returns dans ma vie? Combien de fois j'ai buté des pédophiles, à votre avis? Je sais pas pourquoi je pars avec mon PhD, en vrai. Hein. Enfin, le PhD, oui, mais pas au début. Je n'insulte pas les parasols, j'insulte les buissons. C'est vrai, je n'aime pas beaucoup les buissons. C'est quoi ça déjà? Pisquès. Ah bah là, elle a pas le choix. Oh si. Le pisquès, je suis obligé de le jouer. C'est le mien. C'est le mien. Pas le choix. Même s'il est pas ouf, pour démarrer. J'ai pas le choix. La run va être bénie par le poisson. Disons déjà. la citation du buisson. Ça m'étonne pas. Et ouais, mais en fait, les gens souvent sont étonnés de voir depuis combien de temps je suis sur Twitch. Je te dis, la dernière fois, il y avait Arnaud Ricou qui fêtait, je crois que c'est son année. Merde. Pourquoi je marche là-dedans? Je sais plus qui c'est qui fêtait son année. Je disais, bah moi, ça fait 12 ans. Même plus. On a vu la citation, j'ai su d'où ça provenait avant les parenthèses. Mais pourquoi j'ai fait ça? Non, de toute façon, je voulais reroll. Toi, tu sais. Ah oui, mais ça dépend de quel salle on rentre. Ouais. En vrai, sur un malentendu, je vais peut-être rentrer dans des salles avec du brimstone, alors... Ah mais non, mais ça les change tout le temps. Ah ouais, bizarre. Tu connais depuis ton passage JVC Speedrun Portal? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est vrai que les gens se rappellent pas forcément de moi pour celle-là, plus pour Limbo. À l'époque où il y avait les belles lunettes bleues, là. Ça aussi, je les ai toujours. C'était sympa comme époque, c'était chouette. C'était les débuts du streaming en fait, je trouve que c'était... C'est pas que c'était mieux, c'était pas la même ambiance quoi. C'était un peu différent. En fait, c'était une époque où t'étais sur Twitch parce que vraiment t'avais envie de partager ce que tu faisais. Mais en fait, t'attendais rien en retour, parce que t'avais aucune chance d'en vivre. Bon, t'avais peut-être quelques partenaires, mais c'est tout, quoi. Tandis que là, maintenant, avec les histoires d'affiliés, t'as de plus en plus de gens qui se lancent dedans en voulant en faire un métier, et je comprends, hein. Et je leur souhaite d'y arriver. Mais c'était, voilà, c'était pas la même ambiance, quoi. C'était moins la chasse aux stats, c'était différent. J'aimais bien cette ambiance. Je t'ai suivi pour Alice à l'époque, personne ne stream de Alice. Ouais, j'ai envie d'en refaire du Alice. Le problème c'est que je sais que si je relance Alice, je vais avoir envie de re-runner le jeu et j'ai trop mal. Donc... Ok, efficacité sur 20. Damage. Je prends. Faut te faire jouer Elden Ring l'an prochain, maintenant que le DLC est sorti. Il faut plus de 200 heures pour le finir. Ouais, mais bon. Mais je le ferai un jour, Elden Ring. Mais j'ai... Ah bah voilà. J'ai déjà le Devil Deal qui vient de s'envoler, quoi. Allez, c'est pas grave. Allez. Si j'étais streamer, je serais du genre à streamer des jeux que personne connaît, des jeux que j'aime et auxquels personne a joué. Après, il y avait aussi un truc du fait qu'il y avait beaucoup moins de runners à l'époque. Bah, il y avait beaucoup moins de runners, donc les viewers venaient plus facilement chez les gens. Là où maintenant, c'est très compliqué de toucher des audiences, je trouve. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Tu vas peut-être faire des trucs intéressants et les gens qui démarrent, ils doivent être à aller à 1-2 viewers, quoi. Et parce que le jeu auquel ils jouent sera bien. Mais en fait, il y a tellement de gens qui streament maintenant que t'as plus trop besoin de... Ah, face up, hein, c'est étrange.
En fait, t'as plus besoin de t'abonner à des gens. Tu trouveras toujours quelqu'un qui stream le jeu que t'as envie de voir. Et du coup, c'est vraiment les jeux qui vont rapporter le viewer. Et encore une fois, je trouve pas que ce soit forcément un mal en soi, mais je comprends que... Enfin, voilà, à l'époque, tu faisais n'importe quoi, t'avais toujours plus ou moins du monde qui venait discuter. Puis t'avais toujours un abruti qui arrivait et qui disait... English, please! Mais ça manque un peu, je trouve. C'était pas mal aussi. Comme période. Où t'avais un peu n'importe qui pouvait arriver sur ton stream... qui parlait parfois pas la même langue que toi, et puis tu te démerdais plus ou moins, c'était... Ça avait un peu de charme. J'aimais bien. J'avais entendu à un moment que la majorité des gens qui streament ont 5 personnes max en public. C'est ça, je crois qu'à partir de 5 personnes qui te regardent, t'es déjà dans le top 5% ouais, des... Eh. Qu'est-ce que c'est ? Disque dur, bravo. En fait, c'est ça, ouais, même qui est difficile à quantifier, c'est que là, je sais pas combien on est. En moyenne, on est quoi? On est une trentaine à cette heure-là, à peu près. Peut-être un peu plus parce qu'on joue à Isaac, peut-être un peu moins parce que je suis pas censé streamer à cette heure-là. Bon, bref, on va dire 20 pélos. 20 pélos, je suis déjà dans le gigatop de Twitch, en fait. Donc pour avoir vraiment des gens qui font suffisamment d'audience pour en vivre... Faut vraiment être dans le top du top du top du top du top du top du panier. Fichtre, je suis monté à 3 une fois. Eh bien, GG à toi. C'est déjà un bel achievement. Bravo. Et puis comme ça se professionnalise aussi, tu es obligé de toujours redoubler d'efforts pour arriver à faire venir les gens, à les garder, tu dois aussi faire des VOD, faire des best-of, faire des... Tu dois faire tellement de choses. C'est un activable ça ou pas du tout? Extra card room, the devil. C'est où qu'on peut check nos audiences? Je ne sais pas. Bon, tu regardes à peu près quoi. Quand tu live, ça s'affiche. Moi j'ai tout caché parce que en fait ça me saoule. Parce que moi, je m'en bats les steaks. Quand j'avais l'émission sur Gaming Live, quand je faisais, il y avait encore les TV1, TV2, TV3, la question s'est posée de savoir si je voulais en faire mon métier. Et déjà à ce moment-là, j'avais dit que non. Déjà à cette époque-là, je savais que c'était pas pour moi. Que si je voulais en vivre, j'allais devoir changer ma manière d'être pour faire des animations plus dynamique, tout ça, que j'allais sûrement devoir jouer à des jeux pour des OP, des jeux auxquels j'aurais pas forcément envie de jouer. Voilà. Ça me faisait chier. Donc j'ai dit, je vais continuer de streamer, mais à la cool. Bon, en fait, comme avant, quoi. Pour des clapinettes. Et c'est très bien comme ça. Sans pression. Ce qui fait que, par exemple, comme ce lundi, quand t'es fatigué et que t'en as marre, et bah, tu peux dire tant pis, désolé, j'avais prévu de streamer, mais finalement je stream pas. Oh, mais les gars, pitié quoi. Allez, come on. Merci pour le pentagramme. Ouh, j'aime bien cette run là. Ça part pas mal là. Dans ma gouille, le métier du stream, c'est pas le paradis. Bref, en fait, tous les métiers comme ça aussi, où t'es tout seul à devoir gérer tout ton truc. Et puis, enfin, le stream, les vidéos YouTube, c'est aussi un truc qui est en pleine expansion et qui a énormément d'offres pour très peu de demandes. Les streamers, ce serait pour faire découvrir des jeux aux gens, pas pour suivre les tendances. Bah après, tu peux aussi être hypé pour un jeu et qui est tendance, et puis tu le présentes quand même parce que voilà. Le fait qu'une chose soit tendance veut pas dire que forcément on est obligé de le détester pour prouver qu'on est un vrai... Enfin, j'ai pas dit que c'était ça que t'avais dit non plus, hein.
C'est plus les trucs qu'on entend. J'ai pas dit que t'avais dit ça. Toi, personnellement. Ah ouais, Vampire Survivors, le jeu n'était pas très connu, c'est un jeu indé, un gros streamer a essayé une fois, il a aimé, ça a lancé le jeu. Après, Vampire Survivors, ils ont toujours eu une manière très intéressante de faire leur communication, parce qu'en fait, le jeu, il était vraiment pas cher du tout, je crois, il était à peut-être 5 balles, quoi. Donc forcément, en fait, il y a plein de gens qui l'ont acheté en se disant, oh, ça va, 5 balles, c'est pas cher. Et le jeu est bien. Une époque Palworld, une époque Assassin's Creed Mirage. Oui, oui, non, mais... Bien sûr que... Et puis, il y a eu la période... La période Supermarket Simulator. Évidemment, ça va par période, bien sûr. Et sensiblement, tout le monde joue à la même chose, tu vois. Là, dans les derniers, il y avait quoi? Stellar Blade, qui venait de sortir. Là, je pense qu'effectivement, on est sur du Assassin's Creed, peut-être, ou... Il y a eu la période Isaac. Oh, la période Isaac, je crois qu'elle est jamais vraiment partie. Là, il y a peut-être un peu le retour... Enfin, le retour... J'allais dire le retour FTL, mais parce que MV est en train de refaire un retour FTL. Même si... parce qu'il y a eu le mode de la communauté, là, avec le multivers, tout ça. Nouveaux événements, nouveaux vaisseaux, nouvelles races, tout est nouveau. Même si ça fait un certain temps que ce mode-là est sorti. Et je pense que là, ça va exploser, bah parce que c'est toujours pareil, t'as un gros streamer qui en fait, les gens ils se disent « Oh, ça a l'air trop bien !» Ah, ouais, mais les gars, pitié quoi. Le retour au Bradil, le retour Papers, Please. Bah, tu sais pas si à un moment donné c'est offert sur le Game Pass ou... Non, elle part pas bien, cette run, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est quoi ça déjà? Mamzaï, même ça tire un peu dans mon dos. Mais... Si t'as une compile qui sort sur Switch, ou si c'est offert dans un Game Pass ou quoi... Je crois que ça c'est un peu... Ah oui non, ça c'est de la... ça c'est ouf. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, c'est fausse bonne idée ça. Pas fan. Ça me saoule de voir que quand un gros jeu sort, t'as 3 streamers sur 4 qui y jouent. Bah après, les gros streamers, souvent, bah c'est parce que t'as les jeux qui leur payent des OP, en fait. Pour les mettre en avant, donc forcément, tout le monde joue à la même chose. Et aussi parce que je pense que quand c'est genre la mode Supermarket Simulator, ceux qui n'en font pas se disent « bah il faut que j'en fasse pour récupérer moi aussi la part d'audience, parce que les gens sont en train de... » C'est ça qu'ils veulent voir, en fait. Ah. Ah, mais parce que... Ah, mais d'accord, j'avais pas compris, moi. À tout moment, l'ordi s'éteint. Vous serez prévenus. Parce que je comprenais pas pourquoi le disque dur était tombé. C'est parce qu'il y a un petit chat sur le PC. Je suis en train de jouer à Zoo Tycoon 2. Ah, on se sait. Non, en plus même pas. Si, je jouais aux deux, Zoo Tycoon 2, si, si. Ah, j'adore ce jeu. Je vous jure qu'un jour, je vais faire un 100% de ce jeu. Genre, je vais le relancer en stream et on fera des zoos. Marine Mania, Dinosaur Digs. On se comprend? Pourquoi je fais ça? Je suis fatigué. Bumbo? Non mais... Après Bumbo, je crois que si tu le feed très très vite, il devient très très fort. Ah, les araignées. Spider Love. Non. Merci. Speed and Range? Non. Non. Allez, Daddy, là! Kamikaze. Non. Oh.
Fire rate. Ah, ça, je crois que c'est très efficace, par contre. Rainmania, Dithers Dordic, c'était pas des extensions du 1. Alors, je confonds. Il me semblait que c'était le 2. Bon, en tout cas, il y a un jeu qu'on avait. Celui avec Rainmania et tout ça. Et c'était tellement bien. Les extensions du 2 portent le même nom. Où sont mes jeux PC? Ah non, ils sont derrière. Oh non, flemme. Et Instinct Animals. Ouais, voilà, c'est celui-là, c'est celui-là. Alors, est-ce que le clavier il colle ou pas? Non, mais par contre, Judas est une savonnette. En fait, j'ai à peine appuyé un peu, et vraiment, il est descendu de 3 cases. Glitter Bomb, ça fait quoi ça? Je vais pas jouer avec, hein, mais ça fait quoi? Ouais, ok. Ça fait des paillettes dans ta vie. Alors après, vu que c'était rose, est-ce que ça fait pas un effet phéromone peut-être? Je voulais voir, mais effectivement, je prends les dégâts. Donc. Le sketch de MV à ce sujet. Oui, oui, non mais je l'avais déjà vu, le... On a tous déjà vu le clip du clavier qui colle. Non mais après, vous avez raison, c'est peut-être le The Tycoon 1 que je faisais. Bon bref, le The Tycoon que j'aime. Un jour, j'aimerais bien... J'aimerais bien le faire à 100%. Ouais. Parce qu'en fait, quand on était petit, on était des bébous du jeu vidéo, tu vois. Et la gestion du pognon était d'une part difficile, mais nous intéressait moyen. Donc t'arrivais, t'ouvrais ton zoo, t'appuyais sur dollars plein de fois. Enfin, tu maintenais appuyé dollars, tu récoltais 300 milliards. Et après, t'étais tranquille, tu faisais ton zoo, tu vois. Et plus récemment, j'avais relancé le truc bah, pour voir un peu, essayer de jouer normalement. Et en fait, t'as tout un nouveau pan de gameplay en fait qui s'offre à toi. Quand tu commences vraiment à jouer en mode normal, classique. Essayer d'être rentable pour avoir de l'argent pour acheter les futurs animaux. Faire des enclos au final... à la bonne taille, mais pas non plus gigantesque, parce qu'après, faut tout transformer, niquez-vous. C'était pas un sketch, il a vraiment récupéré un clavier dégueulasse. D'accord. Si tu faisais $ plus tard, ça détruisait les constructions. Ouais, c'est ça, en fait, ça faisait rouiller tes clôtures. Et du coup, les animaux, ils foutaient le camp. Et après, c'était le bordel. Automatiquement, ils se barraient. T'avais tous les gens qui hurlaient partout, les lions qui sortaient, qui bouffaient tout le monde. Bon, sinon, tu pouvais le faire après, mais il fallait mettre le jeu sur pause et... Et il fallait vite réparer toutes les clôtures. Il avait vraiment récupéré un clavier dégueulasse, mais il a un peu surjoué la scène. Oui, bah voilà, c'est ça, il en a un peu rajouté. Bonjour. Je peux avoir une bombe, s'il vous plaît, les copains? Please. Oh, merci. Je donne tout, hein. Rien à foutre. Pour un demi-cœur, vraiment? Il y a 12 milliards de rochers marqués, il y a zéro bombe, niquez-vous. Il y en a plein. Mais non, j'ai pas des... Waouh! Puis en plus, j'ai un pouvoir super. Vraiment, hein.
Bon, allez, à la limite, je peux m'en servir. Ah, mais non, mais en plus, moi, je contrôle que le corps, après. Du coup, c'est un peu nul, non? Si, je peux faire ça, à la limite. Waouh! Merci pour cette bombe. Bon, je vais rester avec ça, et je reprendrai mon Book of Belial avant le boss. Et là, ils vont me mettre une bombe au milieu. Non, ça va. Ça va. Ah, par contre, il y a deux salles différentes à ouvrir avec des clés. Alors, testons celle-là. C'était le magasin. Ah, la Black Candle, la Red Candle, je viens de la débloquer, je sais pas encore pu la ramasser. J'ai pas encore pu. Les coffres dorés, mais pas les clés. Ouais, exactement. Ah non, mais ça se bombe. Arrêtez. Vous savez quoi? Moi, je pense que cette run, elle va être bien. Parce que l'adversité. Alors, le problème, c'est que là... comment vous dire? Comment vous dire? Je crois... J'espère. Je crois... que ça... ça n'influe pas sur le Devil Deal, je crois. Peut-être que je me gourre. Mais il me semble que quand tu donnes ça de bon cœur... Si tu appuies suffisamment la malchance au fleur 1, il ne devrait plus te rester que de la chance pour les suivants. C'est ça, c'est ça. C'est pour faire baisser le rank, en fait. Ok. Alors... on va prendre ça. Vous savez quoi? Hop. Ah mais non, mais attendez! Je viens d'avoir une très mauvaise idée. Ah! On va se foutre dessus, non ça va. Et oui, parce que là du coup, Devil Deal... De toute façon, j'ai pas de vie. Je peux rien acheter, donc du coup, je dis non. Et du coup, le Devil Deal est resté en place. Alors du coup, je sais pas si ça veut dire que je suis obligée de jouer Devil Deal. Alors là, est-ce qu'on tente de bomber, genre eux? Voyez? Pour essayer de peut-être récupérer une bombe. Vous savez quoi? On va prendre le risque. Ouf. Ouais. C'est la giga malchance de l'étage 1, là. Magasin génial, mais pas d'argent. Ouais, c'est ça. Et vraiment, la bombe... le pari était... Mais bon, non. Tant pis. FF. Je refuse. Je refuse le Devil Deal. Je dis non, parce que ça va, on en a fait suffisamment. Puis de toute façon... on va pleurer, on n'a plus de vie. Vous faites chier. Ok, vous faites chier. Je le fais, mais vous faites chier. Je déteste le couteau, j'aime pas jouer le couteau. En plus, je suis une savonnette en plus. T'as l'air au bout de ta life. Je supporte pas le couteau. Je déteste jouer le couteau. Et du coup, à chaque fois, on s'engueule avec vous parce que je sais que c'est super fumé. Je suis d'accord. Mais j'arrive pas à le jouer. Ça m'agace, mais tellement. Ah voilà, c'est réglé. Je n'arrive pas à jouer le couteau. Non, ça c'est nul. Des bisous, Bradork. Et la bonne nuit aux gens qui vont dormir. Et vous avez bien raison. Oups. Cake, Rainbow Effect.
Allez. Oh. Je suis pas sûr que j'aime bien ça. Je crois que c'est pas mauvais en soi. Ankh, bah non. Bon, entre la peste et le choléra, quoi. Allez. Allez. Faut démarrer là, faut y aller, s'il vous plaît. Curse of the Maze. Hein. Explosive Blast. Je vais pas jouer avec ça, mais. Je prends les dégâts avec ça, ok. Non, j'essaye de voir un peu, de déterminer quels sont les pouvoirs qui m'immunisent. Ouais, bof. C'est quoi ça déjà? Golden Touch. Oh, ça, Golden Touch. Ah, c'est rigolo ça. Ah, Money Eagle Power. Ça, sur le long terme, ça peut être pas mal, je pense. On part sur une petite game balatro, là. Ça, c'est vache, ça. Ça, c'est pas bien, ce que tu fais. Ça, c'est vache. Hop là. Hop là. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ma... par rapport au couteau, j'en reviens là-dessus, c'est que dans ma manière de jouer, en fait, juste, je presse une direction, parce que je sais que les ennemis sont globalement dans cette direction-là. Mais en fait, je n'ai qu'à me concentrer sur l'esquive. Et le problème du couteau, c'est que tu peux pas vraiment faire ça, en fait. C'est là le problème. Il est là le souci. C'est pas trop compatible avec ma manière de jouer. Bon, si je trouve un... Ah mais non, mais j'en ai plusieurs des bombes. Aïe. J'étais pas content. Ouais. Oh, merci. The chariot. Ouais. Ouais. Bof, hein. Bof, hein. Oh, il y avait de la vie. Le message anti-heureux. Le message anti-spoil a grossi, les viewers savent pas lire. Non, non. Il y a une personne qui m'a rappelé un truc que je savais, mais que sur le coup, j'ai pas pensé. Mais j'ai quand même rappelé que... voilà, et on m'a dit non mais je crois que le message il est écrit trop petit, c'est vrai qu'il était pas bien visible, alors on l'a grossi. Voilà. Il n'y a pas eu de débordement, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Les gens sont sympas, check. Cœur sur vous, les gens. Qu'est-ce que c'est? Evil up. Ok. Eh bien, let's go. Tu as pas les boutons en cercle pour le tir? Les boutons en cercle pour le tir? Quoi? J'ai rien compris. Cœur sur toi toi-même. Eh bien, je reçois avec plaisir. Et ça, c'est beau. Alors, là, évidemment qu'on va aller là. Parce que pognon. Il nous en faut... pour devenir bien plus fort. Oh, en plus j'ai un nickel. J'ai... C'est... J'allais dire... Bien, la réponse est dans la phrase. C'est nickel. Ça va, nickel, Drac. Respire, respire un bon coup. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. En fait, on sent que c'est le modo qui est un peu tendu. Parce que sur ce stream, les gens sont beaucoup trop sympas. Oups, oh là là. Parce que les gens ici sont beaucoup trop sympas. Du coup, il n'y a jamais de débordement. Du coup, il peut jamais taper sur les gens.
Ah, ça j'aime bien. Voilà, ça c'est une bonne run qui part, ça. Ok, salle secrète, peut-être là en bas. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Niquez-vous. C'est moi, hein, j'ai mal joué. Oh, mais donnez des thunes, enfin. Pitié. Mais donnez des thunes, pitié. Il faut que je sois riche. Pour devenir forte. Car il est vrai que dans les jeux vidéo, comme dans la vraie vie, bah quand t'es riche, t'es vachement avantagé. Je pense que c'est bien le premier The Tycoon que t'avais, je viens d'essayer, dollars ça faisait rien. D'accord, non, mais peut-être que t'as raison. Parce que quand tu m'as parlé de deux DLC en plus, ça m'a pas parlé. Non, non, mais tu dois avoir raison. Alors, j'avais pas... Qu'est-ce que j'avais? Un truc... Ah, full health. Ouais, merci. Il devait pas me manquer grand-chose, hein, en vie. Ah, ok. Esquive là qui a peut-être sauvé mon cœur bleu ou ce qu'il en reste. Ok. Ah mais pourquoi j'ai pas utilisé ça moi? Je suis fatigué. Je suis fatigué de moi-même. The Halo ? Alors attends, parce que là le problème c'est que j'ai un objet sign up et après j'ai un Halo. Ok, allez. Chat. Lemon Party. Ayo Wizard, c'est nul. Attends, on va quand même l'utiliser une fois, lui. Alors que ça se dissipe, ça, par contre. Hein. Ah oui, mais j'ai pas pris le pouvoir, en plus. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Ok. Non. Est-ce que je vais au magasin? Hein? Bof, hein? Non. Ah. Cancer. HP et you feel blessed, c'est ça? C'est ça qu'ils ont dit? Ah, la salle secrète, je l'ai trouvée. Est-ce que je vais utiliser une bombe pour... Ouais, peut-être, parce que... Bon, des bombes, j'en ai. Je peux trouver des trucs dans les caca, bien que je n'ai pas le caca pétrifié. You feel protected, d'accord, ok. C'est possible, hein. C'est possible, c'est possible. Attends, j'ai eu un HP up, alors je peux au moins mettre... Merci. Ah mais The Full Metal, merci beaucoup pour le... Attends, mais pourquoi ça marche plus, hein? Ah voilà. Ah bah oui, il y a le truc qui a planté tout à l'heure. Merci beaucoup The Full Metal pour le raid. Est-ce que ça s'est bien passé? À quoi tu jouais de beau du coup? Bon, The Full Metal, faut qu'on trouve une date là pour R5, ça va pas. Un... Warframe, oh. Excusez-moi. Floated. On est déjà à 7 minutes, hein, autant vous dire que... Non mais je vais pas prendre ça, vous êtes mignons. À part si on trouve une case...
Une case étoile jaune, carte Mario Kart 4. Là oui, là peut-être. Two of Diamond. Oui. Oh oui. Ah, clavier qui colle, le retour. Hop. 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 Vous avez vu comment j'ai géré? Vous êtes fiers de moi ou pas? Faudrait qu'on se cale une date pour la fin de R5, ouais. C'est vrai qu'au début j'avais dit une date et puis après on m'a dit non non mais c'est la fête des pères ce jour-là. Je fais ah d'accord. J'y connais tellement, je retiens jamais ces dates-là. Et merci pour vos souhaits, merci beaucoup. Bon, au moins on sait qu'il n'y a pas de salle secrète ici, sinon ça aurait fait chplume. Ok. Toujours, je cherche la machin. Quoi? C'est trop grave. Je suis estomaqué. J'ai loupé le passage où t'as géré, est-ce que tu peux recommencer la run du début? Cartridge. Putain, cartridge. Ah, j'avais ramassé ça la dernière fois et je sais pas ce que ça fait, dit Trin. Moi, je dis... La logique voudrait qu'une cartouche, ça serve dans la salle de jeu. Si seulement je savais. Donc on va la garder. Au cas où on tombe sur une salle de jeu un jour. Bonjour. Oh oui! Merci pour les flous! C'est gentil de me faire sortir le pile dans la seule qui est autour que j'ai pas encore exploré. Tant que je tombe bien nez à nez avec des monstres, vous voyez. Mmh. Et on va trouver pas du tout une salle de jeu dans cet étage. C'est pas grave, on est riche. Donc, puissant. Oh, la carte! Bah écoute, ma foi, pas bon. Oh, j'aurais envie de mettre tellement de l'argent dans la machine. Faut que je fasse gaffe, là, les bombes, plus ça va, moins j'en ai. Oh non, pas toi. La bonne nuit, The Full Metal. Merci encore pour le raid. Des gros bisous. On a eu un SO pour The Full Metal? Oui, on a eu. Merci beaucoup. Que des gens fort sympathiques, que vous pouvez aller follow les yeux fermés. Merde, mais je suis nul à grande nuit. Je sais pas faire. Bah pourtant je suis rentrée dedans. Ah mais j'ai rien à acheter. Bah oui, il y avait rien à acheter. Bonjour. Ouais, alors les gars, c'est gentil, mais bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de refaire Mega Satan, donc on n'est pas obligé de le bomber, lui. On n'est pas obligé de risquer notre vie sur ce gars-là. Ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, on a dit? Il y a ça, ouais. Bof, hein. Ah mais j'ai même pas trouvé la salle de pouvoir en plus. Ok. Ah oui, la carte, c'était une carte de quoi déjà? Ah oui, The Chariot. Merde. Bête, idiote, bête. Ok. Bon, après, j'ai plus de clé. Mais t'es trop mignonne, toi! T'es trop mignonne! Oh, elle a un petit cœur dessus! Oh, t'es trop belle! Oh, toi, t'aimes trop!
Oh, t'es trop mignonne. Oh oui, elle est trop... Ah si, elle est belle. Ah si, elle est belle. Ok. Bon, du coup, Cartridge... pour l'instant, on sait pas. À l'étage suivant, peut-être. Ouais... Arrête. Ah, alors on va savoir. Bonjour. Ça fait un truc ou pas? Ça n'a pas l'air. Ah, les loot, on gagne deux fois plus. Bon. C'est pas flagrant, hein. Pas flagrant, flagrant. Hein. Merde alors, bah alors du coup elle fait quoi cette trinket là? Zut. Je vais là-bas alors que je sais pertinemment. C'est pas par là. Ça va, j'ai pas de clé. Là, il y a bien une clé, mais... Il faudrait que je gaspille de la vie. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que c'est pas flagrant. Exactement. Oh, 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 là là. Non, ça va. Ils sont pas laser. Laser. Larsine laser. Arrête. Tu me fais peur. Et par contre, Mouchette, là, elle est mignonne, mais... Pretty fly. Ah, mais ça compte pas comme un objet de mouche, ça, si. Merci. Ok, je vais utiliser ça, je vais bien réussir à faire 3 salles d'ici le boss. Parce que j'imagine que la mouche, quand elle rentre en contact avec quelqu'un, elle explose, non? Là, pour l'instant, j'ai encore jamais vu exploser. Ah oui, voilà. Ah oui, effectivement, je me sentais protégée, là. Oh, crotte. Hihi. Ça va, ça va bien. Ça va bien. Ça va, c'est rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit chargeur. J'ai quand même envie de... Les cartes, là, ça fait quoi? Il y a un moment, je vais comprendre ce que ça fait. Et ça va être incroyable. Puis on va se rendre compte que c'est pas ouf. Peut-être. Ouais. J'ai pas trouvé de clé encore pour ouvrir ma salle de pouvoir. Ça, c'était de l'efficacité. Tu vois, on a eu confiance en toi, petite mouche. Bravo. Les cas noirs, ça les... Ouais, ça les stun, c'est ça. Ah mais du coup là vous voulez de nouveau que j'utilise une clé que je ne possède pas les gars. Ça ne peut pas marcher. Non. Par contre là bizarrement j'ai des bombes. Merde dommage. J'espérais pouvoir peut-être gruger le magasin. Mais non. Cette esquive n'a aucun sens, hein, j'ai conscience, vous inquiétez pas. Speed down, c'est pas grave. Oh oui! Oh merci, ça c'est gentil ça. Oh bah ça tombe bien alors. Combien j'ai? 60 balles sur moi. Ah, j'ai envie d'en mettre dans la machine. Hein. Ah!
Ah ouais, la Blue Candle, ouais, c'est sûr, c'est tentant, hein. C'est tentant, hein. Ah ouais, c'est sûr, ça fait envie, hein. Ah, c'est sûr, ça fait envie. Ok, je pars du principe que... Ah, ça marche sur lui, non? Ah bah non, j'ai déjà explosé. On va partir sur des principes, ok? On va partir du principe que, étant riche, on va faire beaucoup de dégâts. Et donc, ce faisant... Ça marche pas, ça. Et donc, ce faisant qu'on n'a plus vraiment besoin... Il pète. Description de l'item, il pète. Oh, Colette, idiote. Idiote stupide. Le seul truc qu'il fallait aller chercher, elle a attrapé pas celui-là. J'en peux plus, moi. Ici, non? Potentiellement. Je vais le viser depuis là, ce sera plus simple. Et j'ai du mal avec les grandes salles. Bonjour. Le jeu, il en pouvait plus de m'entendre râler sur les clés. Il m'a tout donné. Il m'a tout refourgué. La totale. Les copains, vous êtes mignons, mais par contre, vous, vous allez tous y passer. Je vous aime bien, mais faut pas déconner quand même. Hop là. Voilà, ça va mieux, on respire. De toute manière, on joue pas Eve. On n'a pas besoin de se trimballer avec 0 Péval. Et le boss est évidemment à l'autre bout. Bravo. Bravo, Colette, vraiment. Hein. Ok. J'ai pas du tout regardé s'il y avait du rocher marqué, mais bon. Oh là là, non mais pitié. C'est possible de aussi mal viser ou... Je veux dire sans le faire exprès, quoi. Ah, il n'est que toi, ouais. Oh, bah je l'ai loupé, bravo. Il est horrible, ce boss. C'est horrible! Mais arrête de faire ça! Pitié! Je t'en conjure! Baby mouche, fais quelque chose, je t'en supplie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, wesh! Ça va. Ah, ah merde. Faith up. Bah, come on, pitié. Oh bah alors là. Alors là. Alors là. Ah. Ouais. Ok. Je vois. Et là, je suis en train de regretter d'avoir pris la flamme, parce qu'en fait, ça se joue pareil que la clé. Que la... que le coutal. Non! Pitié, mais qu'est-ce que... Ah! Tout ça pour faire ça, pitié. Au secours! Non, si. Pardon. On est à la dèche niveau bombe. On va prendre ça. Waouh. Ça, c'est du coffre, ça.
Mais j'aurais dû garder la chandelle pour la salle. Ah bah non. Ah bah si. Oh, je sais plus. Bonne nuit Anne, des bisous. Aïe, me retue. C'est quoi ça? Sun. Ah. Séraphin. Eh ben voilà. Bon, Cartridge, on sait pas. On sait toujours pas. On saura un jour. Peut-être. Ça va, on commence à être bien là. On commence seulement. Elle m'a fait peur. C'était ma mouche, mais elle m'a fait peur. Ouais, bon, je prends ça. Du coup, bah, ça fait qu'au final, je crois qu'on a battu les boss d'aucun des chests. Je crois. Aucun des deux chests. À chaque fois, on s'est arrêté avant, il me semble. J'imagine que ça marche pas sur les... Ouais, sur les crânes, ça marche pas, ok. J'avais jamais remarqué, mais cette OST ressemble beaucoup à une OST de Crisis Core. Je te crois. N'ayant jamais fait Crisis Core, je ne peux pas te dire. Mais je te crois. Ouais, ça c'est vraiment deux cartes... Bah... Oh non, pas toi. Je suis étonnée, je trouve que ça fait pas des masses de dégâts ce truc. Il me semblait que ça faisait plus que ça, la flamme. Ou alors la bleue, elle est moins bien que la rouge. Alors, ça y est, ok. Est-ce que je veux aller au magasin? Ouais, on peut aller voir le magasin. En fait, je me dis, le magasin. Merde. Oh non, j'ai perdu une clé. Je n'en ai plus, quelle horreur. Je me dis, le magasin, si je tombe sur un grid, je tue un grid, j'ai plus de sous, donc plus de dégâts. Oula. Excusez-moi. Ouais. Non mais les mouches, vous suicidez pas, je vous jure. Ça va aller sans ça, hein, vraiment, c'est gentil les filles. Mais... C'est quoi ça? Trinket, œil de Caïn. Ouais, je crois que je préfère ça, non? Il me semble que je préfère ça. Je suis plus sûre, mais il me semble. Et ben voilà! Pile qui je voulais voir. Ah, ouais, alors c'était paf. C'est gentil. Merci. C'était pas forcément ça que j'aurais aimé comme loot. Mais c'est gentil de ta part. Enfin, surtout quand il te file ça à Nécropolis. Parce que là, il reste quoi? Un magasin? On va y aller, on va tomber sur Mega Grid. Ok, alors, est-ce qu'il y aurait un truc ici? Non. Je réfléchis pas. Carte de crédit. Ouais, carte de crédit. Testons ça au magasin. Est-ce que ça me permettrait peut-être d'acheter un objet gratos au magasin? Un truc dans ces eaux-là? J'essaie de trouver une logique. Hein. On a bien vu que sur la cartridge, ça m'a pas beaucoup aidé la logique.
Et wesh. Oh. Oh. Je baille trop, c'est un signe. D'accord, bah bonne nuit. Tu fais bien d'être couché. Non mais j'avais dit que je jouais jusqu'à 23h, c'est trop grave. Je vais vite finir cette run. C'est faux. Je vais essayer de la finir, mais pas vite. Et après, dodo. Je vais faire comme vous. Puis en plus, là, c'est l'heure où il y a tout le monde qui va aller se coucher. Donc on va se retrouver avec plein de gens qui vont raid. Du coup, on va pas vouloir les décevoir. On va continuer à jouer. Il en reste un ? Il est où ? Où es-tu ? Bébou ! Ah non. Ah ? C'est genre si je veux skipper Mom ? Ouais, mais si je skip Mom, je vais avoir ni le Polaroid ni rien. Du coup, c'est contre-productif. Oh là, vous parlez de bailler, maintenant je baille aussi. Ok, allons voir là-bas. Magasin. Waouh, quel magasin pourri. Toute ma vie. Bah. Ah non, je voulais tester. Alors attends, si je fais crédit... Non, pardon. Si je fais la crédit carte... Ah, c'est ça, et du coup, ça offre tout ce qu'il y a dans le magasin. C'est bien ce qui me semblait, ok. Ok, on va juste... On va juste la prendre pour la sortir de la poule. Ok, donc, la carte de crédit, j'avais bien compris. Enfin, j'avais bien deviné. Donc, pas qu'on m'ait expliqué quoi que ce soit, mais j'avais deviné. L'art. Ouais. Comme je suis assez rapide, je me dis le lard, pourquoi pas. Judgment. Tiens, mais vous. Je te donne tout. En plus, j'ai une pilule exprès pour. C'est dommage, ça ne marche pas comme ça, les cartes de crédit dans la vraie vie. Certes. Tower. You will up, your enemy will pay. Je sais plus ce que ça fait, il est pas bien quand même. Oh, je suis stompie. Oh, elle est stompie. Super. Stompie. En fait, je pense que... Je pense vraiment que c'était pas forcément un très bon choix d'avoir posé le Book of Belial. Mais ma foi, tant pis. Bah. Ici ? Ah bah non, là, il y a un couloir. Bah alors. Alors là ? Merde ! C'est vrai, je suis stompie, j'ai oublié. Ici ? Ok. Ah, du coup, je peux aller voir ici. C'est gratuit, c'est dans nos prix. Bonjour. Waouh. Ça allait vachement le coup, ouais. Ah bah speed up, ok. C'est quoi? Hop. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Je vais le regretter. Je rêve où j'ai touché personne avec ça. Pas bien pourquoi je suis restée en face, mais bon. Ok. Ok, ok. Bon. Ouais. Ah oui, stompie. Du coup, faudra idéalement que je pète tout. Non, mais ça va, on a dit qu'on faisait vite. Non, pas par là. Enfin, qu'on faisait vite à peu près, quoi. Ah, piercing. Genre, tout est piercing shot ou pas? Ah non. Après, est-ce que je veux des Dark Rewards? Ouais, quand même. On dit jamais non aux Dark Rewards. Puis il y a des cœurs bleus dedans.
Hey maman. Bonjour maman. Ok, ben, on monte ou on descend? Oh vas-y, c'est quoi, on descend? On descend. Ah! Bah écoutez, je peux pas dire non, hein. De toute façon, je suis déjà en Séraphin. Séraphin plus Guppy. Impeccable, hein. C'est Trigui. Si, il y a école demain. Ouais, mais à un moment donné, je peux... c'est ça. Et à un moment donné, je rentre jamais chez moi parce que je suis tout le temps au boulot. Donc, ce soir, je prends une revanche sur mon boulot. Ce soir, eh bien, je joue jusqu'à pas d'heure. Voilà. Non, en vrai, je finis ce run. Après, je vais aller me coucher, effectivement. Je fasse gaffe maintenant que je suis stompi et que j'oublie que je suis stompi surtout. Ouais, c'est vrai que j'ai ma robe d'invisibilité, ouais. Personne me verra au bureau. Ouais, mais ils vont assez vite voir si j'y suis pas, hein, je te rassure. Là, je suis désespéré par ce boulot. J'aime bien mon boulot, mais là en ce moment je suis désespéré par le boulot. Il y a trop de boulot. C'est interminable. C'est insupportable. Après, on va pas parler du boulot parce qu'après, je vais refaire que râler sur le boulot. Ok. Salut Arboriatum! Bonjour tout le monde! Quoi ça? Salut Arboriatum, merci beaucoup pour ton raid! Bienvenue tout le monde! On finit un run, après on va se coucher par contre, là ça fait. Range down, ça c'est dommage. Pourquoi je suis montée, idiote? Ah, tu faisais du Isaac aussi! Et alors, est-ce que ça avance bien le Isaac? Alors ouais, les gens ici, on est sur du Afterbirth normal. Parce que voilà, c'est cette version là que j'ai et il y a trop de contenu pour vraiment acheter la... le suivant. On va déjà faire ce qu'il y a à faire dans ce jeu là. Et bien sûr, Dithrine. Ok, on va tenter en haut. Comme ça, on n'a qu'une seule salle à faire. Perdu, évidemment. Alors en bas, c'est Michel. Attendez, je vais peut-être parler avant de rentrer dans les salles. C'est mieux. Je suis la même chose que toi, je suis juste à 437. Ah oui, 437, je pense que c'est plus que ce que je serais censé... Ah mais je l'ai pas trouvé la salle secrète ici, attendez. Je pense que c'est plus que ce que je peux espérer avoir dans celui-là. Ah, 472. Oh, GG. Bravo. C'est quoi ça le point d'exclamation, pote? Tu fais ça souvent, Trigui. Ah, est-ce que je veux l'appel? Bon, non, ça va, merci. Aïe. Putain, j'ai que fou, les champignons, j'en ai plus. Pourquoi je suis sorti par là? Exactement. Vous m'expliquez? On va dire que c'est parce que je suis fatigué. J'ai fini Afterbirth Plus avant la sortie du dernier DLC. Bah c'est ce que j'essaye de faire, gentiment. Mais alors très gentiment. Vraiment, sans aucun stress. Oula! C'est bien la première fois qu'ils sont aussi nombreux dans cette salle avec lui. Là. Aïe. Mais tu prends les dégâts où, toi, exactement? Dans le cul? Ah ouais, dans le cul. Okay. Ah, c'est bien ça. Super. Box. Box.
C'est quoi ça? Ah. Bah merci. Bon bah tant qu'à faire... Idiote. Tant qu'à faire, j'allais dire on va aller chercher un peu de vie. Pour mettre dans le truc. C'est le jour où il y a une commande. Eh, tu parles mieux de la... D'accord, ok. Donc il faut faire une commande comme ça, ok. Ça marche. C'est pas angle droit qui a un truc comme ça aussi. Il y a la modération anti-dépréciation. Et si tu dis du mal de toi-même, tu te fais engueuler. Alors, le chariot, on prend ça et on y va. Hein, j'ai pris quoi? Le négatif, non? C'est ça? Que j'ai pris? Oui, j'ai pris le négatif. Donc, on va aller en bas. On va aller en bas, on va pousser la roue. En tout cas, bienvenue les gens qui arrivent. Nous streamons exceptionnellement ce soir, mais normalement... Oh! J'oublie que je suis estompie. Normalement, nous streamons le week-end à partir de 14h. On alterne, comme chez Arboriatum, de la chasse au succès. Et des découvertes. Bah, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est croisés la première fois pour de la chasse au succès, non? Aïe, me Colette, concentre. Ok. Et on va en bas et on pousse la roue. Je déteste tellement être stompie. Ouais, mais je sais plus ce que j'ai touché qui fait que je suis stompie. Je me rappelle plus très bien. J'ai pris un pouvoir. C'est quoi le lard? Le... Non, c'était quoi? Bon, à un moment, j'ai pris... Ça fait quoi, stompie? Ça fait que si je marche sur les cailloux, ça casse les cailloux. Ce qui, sur le principe, peut être pas mal. Par exemple, ça permet de pas dépenser de bombes pour les rochers marqués. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a des trucs qui peuvent potentiellement t'exploser à la gueule, si tu fais pas gaffe. Par exemple, les crânes comme ça, pareil, si je marche dedans, vont être détruits. Tu vois, là, je peux le faire, quand même. Là, il faut que j'évite de marcher dans ce caillou-là, par exemple. Sinon, ça va m'exploser dessus. Et le truc, c'est qu'il y a des fois, j'avance, et puis pour moi, il y a un rocher ou quelque chose au milieu. Et comme je vole, en plus, j'ai l'impression que je vais passer par-dessus. Et en fait, non, ça m'explose à la gueule. Et genre, les champignons, ils peuvent avoir des gaz toxiques, ce genre de trucs. Tu as la liste des objets, la réponse est dedans. Ouais, mais je sais pas, il me semblait que c'était un truc que j'avais chopé il y a pas très longtemps. Et apparemment, je me trompe. Ah! Alors, vous voyez, pour ça, c'est bien d'être stompie. Ça, c'est pas mal. Oh, mais ça va être nul. Oh, bah bravo. Non, mais vraiment, c'était bien la peine, hein. Pour faire ça, c'est bien la peine, hein, vraiment. Hein, merci. Ça fait pas longtemps, vu la liste. Ah, mais oui, c'est Your Enemy Will Pay, là. Ça. Toi, t'as intérêt à rentabiliser assez vite, parce que chaque dollar que je te file... Ouais, merci. Chaque petit sou payé, c'est du dégât en moins. Du coup, décide-toi. J'en connais un. Il va pas tarder à exploser. Waouh, merci. Merci beaucoup, vraiment. Grosse ambiance, merci. Ok, allez, on espère que le boss est pas loin. Merci. Waouh! Arrête. Oh, j'ai pas vu qui c'était. Oh merde. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue chez nous officiellement. Eh, faut arrêter de vous abonner parce que j'ai pas fini de préparer ce qu'il faut faire pour les 4000. Arrêtez! Arrêtez tout! Stop the count! Ok. C'est bon. Donc en fait, tout à l'heure, je suis arrivée là.
Je suis arrivée là, j'ai fait Méga Satan et je pensais que je pouvais ressortir après Méga Satan et pas du tout. Non, je vais pas ramasser ça, non. C'est gentil, mais non. Hein. Oh, je sais pas combien de vie j'ai. Bon, je crois que ça va. Je crois que c'est ok. Katmi, c'est dans si longtemps pour moi. Plus que 2 semaines et je serai à plus 20, moins 20. Ah, depuis 3 semaines, je suis à plus 20. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ça arrive beaucoup. Je sais pas s'il y a des vagues de follow bots qui sont supprimées derrière. Ça fluctue beaucoup, effectivement. Ou alors des gens qui s'abonnent pour un jeu, puis quand tu changes de jeu, ils disparaissent après. Waouh! Vous êtes nombreux et un peu trop énervés pour moi, là, les copains. C'est quoi ça? Range down. Bah non, hein. Attends, je rêve ou j'ai laissé un cœur bleu? J'ai laissé un cœur bleu. Oh, y a que des trolls bombes. Il faut level tellement rien dire. Ah oui, non, c'est sûr. Non, moi, c'est juste que j'ai jamais fait d'objectif de follow et de trucs comme ça. Et que je me dis, bon, là, il y a les 4000 qui arrivent. On va faire un truc pour marquer le coup, ce sera rigolo. Ah, tu crois que ça fait quoi si je fais ça? Ça fait Krampus, ok. Aïe. Lump of coal, merci. Bah, c'est gentil. je vais reprendre mon chariot au cas où. Bon, je vais là-bas, mais il y a 50% de chance que ce soit pas le bon endroit. D'ailleurs, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est effectivement pas par là. Mais... Et ça l'était pas. Arrête! Ah bah, soit. Pas de bol pour Krampus. Ouais, oh. Ça va, ça va. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas à l'article de la mort à ce point-là non plus. Regardez, on trouve des cœurs bleus. Alors tout va bien. Bon, j'ai déjà battu Méga Satan. Arrête. Bon, faudrait peut-être que je me défende, ceci dit, contre les ennemis. Hein. Alors, on va viser en bas et ainsi gagner. Oh oh. Oh oh oh. Oh, les boulettes hell, j'aime pas ça. Et je sais que c'est rien comparé à ce qui va arriver plus tard. Bonjour! C'est quoi, on bat son corps d'abord? On bat sa tête? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je sais pas ce que je fous. Ah bah je gagne. Bon bah très bien. Ouais. Ah bah j'avais déjà battu The Lamb. Ah bah alors ça valait vachement le coup. Ok. Non non bah alors autant pour moi. J'avais déjà battu The Lamb. Bah c'est pas grave. L'avantage c'est que... Ouais dans le loop faut taper. Ça c'est une logique de Dark Souls. Effectivement je connais. Non mais c'est bien. Comme ça on a fait le cœur. On a fait tout ce qu'il y a à faire dans Shol. Donc au moins toutes les prochaines fois on n'aura plus qu'à aller à cathédrale et après il restera les boss rush et évidemment le grid. C'est une logique de pas mal de jeux. Ouais c'est ça. Tout veut ta mort. Ben voilà. Qui aurait pu espérer une meilleure fin de stream? C'est pas mal pour finir un stream, qu'est-ce que vous en pensez? Un petit ordisque a des petits gratouilles dans sa petite... dans son petit coup doudou.
Pour le coup, le réflexe de taper dans les souls m'ont privé de pas mal de PNJ, effectivement. Je vais être heureux comme ce chat. Ah oui, moi aussi, je vais être heureux comme un chat. Tu es une brave, toi. Toi, tu es une brave, Madame Patate. Hein? Oui, que le bol. Tu m'as tordu dans mon sang. Tardise d'amour. Et je t'aime. Au revoir. Les bisous, ça va. Les câlins, elle aime pas trop. Ah, ça voilà. Non, du coup. Eh ben, Judas, bah, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on a bien clôturé. Il faut que j'arrive à retenir. En fait, c'est juste que l'icône de The Lamb, vraiment, je n'arrive pas à l'analyser. Ah, ou en fait, celui qui est... Ah, en fait... Non, d'accord, je crois que j'ai compris. Le premier, là, celui qui est au centre du post-it, c'est la photo. Et du coup, celui qui correspond à The Lamb, c'est le négatif, c'est ça? Donc du coup, il va nous manquer la partie cathédrale, avec son chest, le grid, le boss rush et The Hush. Avec Judas. Et comme ça, on l'aura avec Isaac, Maggie, Cain et Veu. Et après, il nous restera un peu tous les autres trucs du fion. Merci pour le tips. De quoi pour retenir les trucs? Je viens de le trouver. Je viens seulement de le trouver. Alors du coup, il n'y a pas d'achievement. Le négatif, il y a moins dessus. Ouais, oui, il est plus noir que l'autre. Je pense. J'imagine. Je vais essayer de le retenir comme ça. On va voir. Ouais. Après, il nous restera encore tous les persos du cul, là. Tout le niveau de petits trucs. Mais il paraît qu'il y a un boss, qu'il y a un... Ah, mais c'est Lilith, je crois. Faut battre Grid Mode avec Azazel. Parce que moi, on m'a dit, dans Isaac, il y a un perso, il est fait pour toi. Et moi, j'aime bien jouer avec une armée de minions. Donc pour moi, je pense que ça va être Lilith. Lilith, mère des créatures, enfin je sais plus comment ils l'appellent dans la Bible, mère des monstres ou mère des créatures, un truc comme ça. Il y a plus de noir sur le que sur le Polaroid, ouais. Bon voilà, du coup merci d'avoir suivi le live. Ce week-end, je le répète, c'est un week-end off pour moi, donc il n'y aura pas d'autres lives cette semaine. Par contre, on se retrouvera la semaine prochaine, possiblement lundi soir, peut-être. Ça dépendra toujours du boulot, hein, c'est toujours le même problème, et sinon, normalement, le week-end prochain, si tout va bien. Des bisous de la VOD, à bientôt.